Il faudra en réalité attendre quelques semaines avant que tous les services de l'hôpital soient en activité. Mais quelques semaines, après tout, ce n'est pas grand-chose, alors que les Privadois parlent depuis 1903 de leur nouvel hôpital. Celui-ci représente le huitième projet. Il a été pensé par un architecte d'Aubenas et les travaux ont commencé il y a 3 ans et demi. Entre le premier coup de pioche et l'inauguration, les autorités locales ont arraché de haute lutte un étage, soit 40 lits supplémentaires. Cet hôpital représente un ensemble composé d'une unité de maternité de 20 lits avec des services de consultation qui constituent le niveau du rez-de-chaussée supérieur. Au premier étage, un bloc opératoire et le service de chirurgie avec 2 unités de 30 lits chacune. Ensuite, au deuxième étage, le service de médecine générale avec également 2 unités de 30 lits chacune. Dans l'une d'elles, une section de pédiatrie. Et au troisième étage, nous avons réussi la performance, en effet, d'obtenir ce troisième étage alors qu'il n'était pas prévu au plan initial. Fort heureusement, le ministère a été compréhensif et finalement, nous avons pu ajouter cet étage en cours de construction. Et dans celui-ci, nous avons donc intégré 2 unités de soins de 16 lits de convalescence avec, dans le centre, des salles pour la rééducation fonctionnelle pour permettre aux blessés de récupérer plus rapidement. Au total, cela représente combien de lits? Alors, ce qui nous fait un ensemble de 172 lits pour ce nouvel hôpital. Et je dois préciser que nous allons conserver l'ancien, dans lequel seront installés les services d'hospice pour les personnes âgées, avec section de pensionnaires valides et invalides. Et ensuite, dans le pavillon de la maternité actuelle, qui se trouve à proximité du vieil hôpital, nous établirons le foyer de l'enfance pour les pupilles du département que nous sommes chargés de recueillir entre 0 et 21 ans jusqu'à leur majorité. Voilà donc pour la fiche technique de cet hôpital qui soulagera bien des souffrances dans les cantons qui entourent Privas. Une aire d'atterrissage pour hélicoptères fait même partie des installations et permettra les évacuations sur Lyon quand elles seront nécessaires. L'intérêt, voyez-vous, c'est que dans un petit hôpital, le personnel, disons les médecins, les infirmières, l'ensemble du personnel appelé à donner des soins aux malades, n'est pas dépassé par une organisation trop grande. C'est à une échelle tout à fait humaine. Les malades ici sont soignés par du personnel qui souvent sont connus d'eux parce qu'ils sont du pays. Ça présente quand même des avantages parce que les malades ne sont pas des numéros. Ils sont connus par leur nom, on les voit et on s'occupe d'eux, on a un souci constant et permanent, et le personnel travaille dans un petit hôpital beaucoup avec son cœur. Ce qui compte pour soigner un malade, voyez-vous, quand on est malade et qu'on est de l'autre côté de la barrière, on apprécie, on se sent un peu isolé, on se pose beaucoup de questions et on a beaucoup plus confiance quand on sent auprès de soi des gens qui vous entourent et qui font très attention à tout ce dont vous pouvez avoir besoin.